Question pour les étudiants français. Puisque le machar devient dans pas longtemps, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans les études 6 à 8 ans et... Il a dit, même s'il n'y a pas l'histoire de machar. Il dit, moi par exemple, j'ai étudié à l'université, grâce à Dieu. Hachem m'a aidé de me réveiller et de comprendre cette chose-là, du but, qu'il y a un but. Alors grâce à Dieu, j'ai le mérite. J'ai compris, je me suis réveillé, j'ai pris la décision que moi je veux consacrer ma vie pour la Torah, de ma propre volonté. Alors c'est pourquoi c'est pas une question, comme on dit, que si Mashiach il vienne ou pas, même si Mashiach il n'est pas encore venu, alors quoi? Un homme il doit décider qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie. S'il veut prendre sur lui le joug divin, alors reçoit-il? Et si c'est dur pour lui, alors qu'il veut compléter ça avec le travail, ok, reçoit-il? Nous on attend véritablement que le Mashiach il vienne. Et ça vaut le coup pour chacun qui peut de prendre sur lui le joug divin. Il n'y a pas de question, tous ceux qui peuvent prendre le joug divin sur eux, c'est évident qu'il doit prendre sur lui le joug divin, le joug de la Torah.